Baby in Kitsch, c'est tout de suite. Monsieur Exaucé Mangapi, bonjour. Bonjour Judith Lada, ça fait très longtemps. Très longtemps, je vous assure. Ça date des siècles, 3 ou 4 siècles. Je vous jure, je suis très heureuse de vous retrouver sur et ce moi, beau plateau. J'attendais même pas que vos phrases finissent parce que je vous ai vu, ça fait tellement belle lurette que. C'est pas possible. Ça vaut la peine en tout cas de faire oh là là, Judith oh là Lada. Là, ça. Si seulement les accolades étaient encore permises. Ah non, on s'arrête là. Ah, on s'arrête là. Voilà. Une salutation à tous tes fans. À tous les fans de la bonne cuisine, à tous les fans de l'hôtellerie et du tourisme. J'ai dit bonjour à tout le monde. Je ne sais pas quelle heure il est là où vous me suivez, mais sinon on dit bonjour. Je vous aime tellement beaucoup et merci encore une fois d'être impatient devant vos postes téléviseurs pour suivre Boye Binkitch aujourd'hui, savoir qu'est-ce que nous allons vous apporter de nouveau, soit ceux que vous connaissez déjà, mais en partie, qu'on peut toujours toutefois compléter parce que nul n'est complet en matière de connaissances. Bien sûr, même la Bible nous l'a dit. Nous, voilà, nous connaissons en partie tout. Et nous prophétisons en partie. Ah oui, c'est ça. La restauration en hôtellerie, tel exactement. Le thème que vous nous apportez aujourd'hui. Exactement, la restauration dans l'hôtellerie, on a précisé dans l'hôtellerie parce que quand on dit mot restauration, cela ne veut pas forcément dire que c'est dans l'hôtellerie encore ça concerne le manger, parce qu'on dit je peux restaurer ma chambre, il peut y avoir restauration d'un pays, restauration d'une structure politique, il y a plusieurs formes qu'on parle de restauration, mais nous avons martelé par rapport à l'hôtellerie parce qu'il s'agit de Boye Be In Kitsch, et nous vous rappelons que c'est Kitsch à la fin, là veut tout simplement dire cuisine, donc Boye Be In Kitsch, c'est la connaissance dans la cuisine. Et on vous avait promis, on vous avait rassuré au début que dans Boye Be In Kitsch, il ne s'agirait pas tout simplement des nouvelles recettes ou encore l'apprentissage des recettes, mais nous allons toucher tout ce qui va avec l'hôtellerie aussi, apporter un peu de la lumière par rapport à ce que nous ignorons au terme hôtellerie ou encore restauration. Ah, ok. Voilà pourquoi vous l'avez choisi, mais surtout que nous sommes aussi, déjà, je peux dire, nous entrons en pleine période festive. Voilà, exactement. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien côtoyer des grands restaurants, mais qui ne connaissent pas exactement c'est quoi un restaurant. Ou encore on y va, mais on ignore un peu. Il faut être cultivé parfois. Ça vaut quand même la peine en ces 21e siècle où les smartphones sont disponibles ou encore à la portée de tout le monde. Ouais. Alors, c'est quoi un restaurant? C'est ça. C'est quoi? C'est la question qu'on se pose. C'est quoi un restaurant? Un restaurant n'est tout simplement qu'un établissement qui offre la nourriture et la boisson liée à une certaine structure, d'une certaine manière, des certaines commodités qui permettent à ce que les gens qui sont dans la région et les gens qui sont à l'étranger, dès qu'ils sont des passages dans votre pays, qu'ils prennent 2 minutes de repos, 2 minutes de pause chez vous, grignoter quelque chose, manger à leur saveur ou encore déguster des vins de grande qualité. Alors quand nous parlons des restaurants en hôtellerie, c'est là de dire qu'il y a ces restaurants qui sont autonomes, il est tout simplement restaurant à part entière, et des restaurants qui dépendent des hôtels. Ok. Voilà. Alors, est-ce que pour être restaurant, il faut toujours être dans un hôtel ou aussi on peut être indépendant? On peut être indépendant restaurant, avoir des documents qu'il nous faut, et aussi on peut aussi être un restaurant dans un hôtel. Pourquoi on retrouve aussi les restaurants dans des hôtels? Parce que déjà, quand on voit un hôtel, on voit le bedroom, donc le coucher, un temps de repos, nous voyons la nourriture. Et il faut aussi signaler que tout ce que nous appelons hôtels ne sont pas forcément hôtels. Il y a des sites qu'on appelle des hôtels, il y a des sites qu'on appelle de flats, et il y a des sites qu'on appelle de bed and breakfast. Le bed and breakfast n'est tout simplement qu'une manière de dire ici on prend que le petit déjeuner sans pour autant manger les après-midi. Alors il y a aussi des sites qu'on appelle des auberges, je ne sais pas moi. Auberge, c'est encore plus auberge. Petit. Ça, ce sont des termes locaux à nous ici, hein, auberge, il y a des auberges, donc ce sont des moyens de passage. Tu veux passer 45 minutes, 1 heure du temps, 3 heures, tu peux emprunter une auberge, c'est en fait presque ça, c'est qu'on appelle le bed and breakfast. Vous dormez, vous reposez, mais vous avez droit qu'à un petit déjeuner. Cela n'est pas un hôtel. Inclus dans votre prix de réservation. Ah, voilà. C'est inclus. Quand vous payez, raison pour laquelle on vous dira, quand vous payez autant de dollars, y compris le petit déjeuner. Donc le reste, hormis là, c'est le petit précieux ou bien ici? Même ici à Kinshasa. Je ne me permets pas encore le luxe de citer les noms des hôtels. Non, il ne faut pas citer, non, voilà. sinon on va nous sinon, taxer, voilà, hein, les commerciaux. Exactement, voilà. Donc sinon, je ne peux pas citer les noms des hôtels. Non. C'est inclus dans le prix des chambres ou encore quand vous réservez votre chambre dans n'importe quel pays du monde, souvent le prix de petit déjeuner est inclus. Mais quand cela n'est pas inclus, donc il s'agit soit d'un flat, franchement, ou encore d'un bed and breakfast. Il ne faut pas l'appeler hôtel, voyons. Il ne faut pas tout appeler hôtel parce que tout n'est pas hôtel.
Alors, tout n'est pas restaurant. Et tout n'est pas restaurant. C'est ça, mec. Alors, quelles sont les normes, au fait, auxquelles qu'un restaurant doit répondre pour être appelé restaurant? Voilà, pour qu'un restaurant soit appelé restaurant, il s'agit en fait de trois choses. Okay. Il s'agit de la cuisine, il s'agit de l'espace où on sert à manger, il s'agit du personnel. Voilà. Voilà pourquoi vous entendrez très souvent des termes 5 étoiles, 4 étoiles, 2 étoiles. Un hôtel peut être étoilé, un restaurant à part entière peut aussi être étoilé, un chef cuisinier détenteur d'un restaurant peut aussi lui-même être étoilé. Ça a toujours été même ma préoccupation, je ne sais pas, en tout cas vous allez m'excuser, c'est toujours ma curiosité. En tout cas, comme vous êtes là sur ce beau plateau, j'en profiterai aussi pour poser la question. Cette question. Okay. Pourquoi est-ce que, ou bien quand est-ce qu'on dit que cet hôtel répond, ou bien est de 2 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles. Aujourd'hui, nous avons même des hôtels à 6 étoiles déjà. Oui, mais non, il y a 6 étoiles. Dans d'autres cieux, pas ici. On n'a pas d'hôtel 6 étoiles. Alors, ces étoiles-là, ça vient comment? Ça s'acquiert comment? Voilà, pour acquérir en fait, déjà quand vous entendez les termes étoiles pour un restaurant ou encore un établissement hôtelier ou encore une chaîne hôtelière, parce qu'il y a des hôtels et des chaînes hôtelières. Les chaînes hôtelières, un regroupement de plusieurs hôtels retrouvés dans plusieurs pays ou encore dans plusieurs contrées du monde, qu'on appelle chaîne hôtelière. Qu'on continue à taire le nom pour éviter la publicité. Alors, pour qu'un restaurant ou encore un hôtel soit étoilé, il doit d'abord offrir une cuisine raffinée. La première des choses. Mais quand on dit, quand on ne mentionne pas, on commence déjà à mentionner le nombre d'étoiles qu'à partir de 3. Oui, pour qu'on parle d'un restaurant étoilé, nous commençons à partir de 3. Quand un restaurant n'a que 2 étoiles ou 1 étoile, on ne la mentionne pas. Sur les affiches ou encore sur la publicité des cet hôtel-là, encore moins dans leur site web, on ne mentionne pas. Parce que quand un restaurant n'a qu'une étoile plutôt, il s'agit tout simplement d'un restaurant qui offre une cuisine normale, standard. Mais quand on commence à partir de 3 étoiles, donc nous commençons à constater maintenant une certaine finesse. Quand on parle de 4 étoiles, nous constatons la finesse et la décoration qui joue avec. Quand on parle de 5 étoiles, il s'agit d'un hôtel dont le chef cuisinier est étoilé. Lui-même d'abord. Le chef cuisinier lui-même d'abord doit être étoilé, par rapport à certains diplômes et à certaines capacités cuisinières, culinaires plutôt. Et aussi, les cadres dans lesquels les restaurants offrent aux convives doivent répondre à certains critères de l'architecture d'intérieur. Donc, quand on se met dans un restaurant, avant que l'on nous serve à manger, on se sent trop à l'aise. Les décors sont beaux, on prend nos selfies. Trop beau selfie en direct de... Voilà. Faut venir. C'est ça exactement. C'est comme si on présentait ces thèmes avec ce genre de propositions. On a envie de citer les noms de vos hôtels. Les noms de vos restaurants. Ça résonne dans la tête. Moi-même, j'ai votre nom ici, là, mais ça ne va pas sortir. Je vous assure, je suis désolée. Donc voilà, pour qu'un restaurant soit étoilé, il faut que le chef cuisinier lui-même soit étoilé. Il faut que les cadres soient somptueux. Il faut que la cuisine soit raffinée. Et la dernière des choses, ces cadres-là offrent souvent des vins haut de gamme. Oh my God. Qu'on ne retrouve pas dans des restaurants 2 étoiles ou tout simplement 3 étoiles. Là, vous allez nous voir, nous autres, venir chez vous. Parce que nous aimons des restaurants étoilés. Donc, il faut connaître ces différences-là. Et dans Boye Binkish, à partir d'aujourd'hui jusqu'au au début décembre, nous parlerons que début de la restauration. Début décembre, c'est déjà demain. C'est déjà demain. Le 1er décembre. C'est le 30 novembre. Oh là là, nous clôturons novembre aujourd'hui. Bien sûr, nous clôturons novembre. Donc déjà, tout le mois de décembre, nous parlerons que de l'hôtellerie et de la restauration. Nous mettrons le point sur les i. Et je vais aussi compléter ce que ça vient de dire. Les hôtels qui nous suivent, les personnels des hôtels, les membres d'hôtels qui nous suivent en cet instant, sachez que si vous voulez des meilleures publicités, nous pouvons descendre sur le terrain au moment où nous parlons de la restauration. Pourquoi pas faire des tournages, expliquer à nos téléspectateurs, à nos chers téléspectateurs, des exemples à l'appui, que nous venions chez vous, nous leur apprendrons comment on se met dans un restaurant, qu'est-ce que l'on fait dans un restaurant, qu'est-ce qu'on ne dit pas dans un restaurant. Ça permet à ce qu'on trouve que non, voilà, la personne qui vient dans ces restaurants est quand même lettrée. Quand même des normes de la restauration. Il a des normes de l'hôtellerie. Cela vous permettrait à ce que vous ne sopiez pas, comme on dit à Kinshasa. Vous voyez. Donc, comment on utilise les couverts, comment on utilise le verre. La fourchette comme ça. Exactement. C'est comme si tu veux te poigner.
regarder toi-même. Oh, c'est pas. Or, si tu étais scotché à Boye Binkitch. On va te montrer. Donc, c'est ça exactement. Ah, voilà. C'est ce que nous avons voulu, en fait, essayer un peu d'épingler par rapport à la différence de différents temps, de différentes étoiles quand on parle de l'hôtellerie ou de la restauration. Bien sûr. Mais il faut savoir que la restauration et l'hôtellerie est souvent liée au tourisme. Ah oui. Parce que dans la plupart des pays, la restauration et l'hôtellerie font partie en fait de l'économie même de certains pays. Oh my God. La base même de certains pays. Mm-hmm. Qu'aujourd'hui, sans la restauration, certains pays perdraient en fait plusieurs. Vous avez constaté pendant le Covid, COVID-19, le confinement, il y a eu des restaurants qui ont fermé, pays qui ont chuté en économie. Bien sûr. Rien que parce que leurs hôtels n'ont pas fonctionné, leurs restaurants n'ont pas fonctionné. Imaginez comme notre beau pays comme ça avec de bonobos, avec tout ce que nous avons, qu'on nous ferme des hôtels pendant 5 mois ou 6 mois. Remarquez la perte que le pays va connaître. Alors, il est trop important de connaître ces différences-là. Il vous permettra, au-delà des bonnes cuisines, de la bonne recette que vous attendez de Boye Binkitch, de mettre en fait quelque chose dans votre caboche pour vous permettre à ce qu'il y ait une différence entre l'habitude d'avoir des recettes culinaires à la télévision et aussi l'enseignement ou encore la connaissance en cuisine. Waouh! En tout cas, j'ai appris. Hein. J'ai appris. J'espère que vous aussi, vous avez appris. Désormais, lorsque vous verrez un hôtel 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 6 étoiles, voilà pourquoi vous n'allez plus nous en vouloir lorsque vous nous verrez en train de faire des selfies. On dirait que chez les autres, pas chez 5 vous. Étoiles. Hein, chez les autres, parce que quand on fait des selfies chez les autres, on ne vient pas chez vous. Comprenez que ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Vous. Donc, c'est à vous maintenant d'améliorer. Vous voulez aussi savoir comment vous améliorer dans votre hôtel. Il est là, il est mieux placé, il va vous aider sur le secteur de la restauration. Exactement. Tout. Et puis, j'aimerais signaler que pour ceux qui sont beaucoup plus curieux, les restaurants ont commencé en France, à Paris. Mm-hmm. Vous voyez, dans les années 1765, comme ça. Wow. Ça commence pas aux Amériques, mais ça commence en Europe. Donc, pour ceux qui sont trop curieux, mais la restauration commence, non, ça a commencé. Parce que quand on disait à l'époque restauration, ça remet autre chose. Mais quelqu'un a commencé, s'est décidé un jour d'ouvrir un restaurant proposant des repas sur carte, sur menu. Mm-hmm. Avant, quand on mangeait dehors, c'était pour des voyageurs. Après, on a dit non, pourquoi ils mangent dehors? Il faut qu'ils entrent quelque part, se caser, manger, prendre un verre et puis passer son chemin. Ouais. Donc, c'est un peu ça ce qu'on peut rajouter par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup, M. Exaucé Mangapi. On peut aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Je suis sur Google, Facebook, Instagram avec Emac River. Donc, Emac. Espace River comme rivière en anglais. Mm-hmm. Et nous avons aussi une chaîne YouTube et Mac River officiel. Si vous ratez une tranche de Boye Binkitch que vous voulez rattraper sur la congélation, la restauration, l'hôtellerie, tout ça, tapez tout simplement Emma Kriver officiel sur YouTube. Et mon numéro de contact par rapport à vos prestations, si vous avez besoin des prestations, service traiteur et tout ça, c'est +243 81 66 69 882. Alors même pour les événements à 5 personnes invitées, nous sommes très moins chers, trop abordables. Nous sommes pas trop moins chers, nous sommes à bon prix. À bon prix, à ok, bon pas prix. Moins cher. Non, hein, pas ok, moins là, cher, ça non, a refusé. Faut pas vous broider, hein. Et ça dépend de votre budget, vous hein, nous du nous adaptons. Bon boulot, hein. Ah, merci. Vous faites du bon boulot, non, bien sûr. Merci. Nous sommes les princes et les princesses. Exactement, et surtout, et surtout ça, le fils de l'apôtre. Imagine. Le père de l'excellence. Merci beaucoup d'être passé, M. Exaucé Mangapi. Et merci beaucoup, Adassa. Et je remercie tous les téléspectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui. Je suis très content, très flatté de vous savoir nombreux sur Internet et sur Repos et Téléviseurs. Merci, merci en tout cas. Et c'était un grand plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Alors, c'était la Boye Binkitch avec M. Exaucé Mangapi. Continuez à commenter, continuez à partager. Partagez ce live, s'il vous plaît. Invitez les amis à suivre avec vous ce live. On se retrouve tout de suite dans la grande école. Bisous, Lilia Moissi.